Tu es terrifiant quand on te pousse dans tes derniers retranchements, je tenais à te le dire. La prochaine fois, ce sera à moi de devenir un dieu. Laisse la place aux autres maintenant. Et tu as intérêt à respecter ça, c'est clair? Bien sûr, oui. Tu peux compter sur moi. Mais je te préviens, tout faire pour devenir plus puissant, c'est vraiment épuisant. Ah oui, au fait, j'y pense. T'as été héroïque quand Bulma s'est fait frapper. Mais Bulma! Juste après ça, ta puissance de Super Saiyan a été impressionnante. C'est ça, le pouvoir de l'amour. Je ne crois pas avoir crié ça, ou alors je ne m'en souviens pas. Mais c'est vrai, à ce moment-là, j'étais plus fort. J'étais clairement plus fort que toi. Oui, ça fait aucun doute. La prochaine fois qu'on se trouvera face à un ennemi puissant, on lui demandera de frapper Bulma, et le tour sera joué. Non, mais... Je ne me souviens pas que tu étais là au moment où Beerus a frappé Bulma. Tu étais déjà sur Terre et tu observais tout de loin. C'est ça, n'est-ce pas? Avoue-le. C'est-à-dire... C'est vrai, Goku? J'étais planqué comme un lâche. On était à deux doigts de se faire anéantir. Je suis désolé, les amis. J'avais besoin d'analyser l'adversaire pour décider du meilleur plan d'action à adopter. Mais j'ai rien trouvé. Du coup, j'ai préféré rien faire. Bulma, colle deux ou trois autres gifles à Kakarot. Il les a amplement mérités. Avec plaisir. Ah, et arrête, non, non, me frappe pas. J'ai dit que j'étais désolé. Non, aïe.